Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, donc il était recherché. Et quand les services de police ont eu l'information de ce qu'il était susceptible de se trouver à Sallanches, ils ont mis en place un dispositif et lorsqu'il s'est présenté, ils ont procédé à son interpellation. Cette décision d'emprisonnement a été mise à exécution, étant précisé que c'est un jugement qui a été rendu par défaut, donc contre lequel il a la possibilité pendant 10 jours, à compter d'aujourd'hui, de faire opposition, c'est-à-dire de demander à être rejugé sur les faits qui lui ont valu cette condamnation, dans la mesure où il n'était pas présent au moment du jugement. Là, il a été incarcéré. Et où ? À maison d'arrêt de Bonneville. Pour l'instant, on procède à l'audition de la personne qui l'accompagne. Parquet dans cette histoire. C'est une histoire de transférer à la justice quelqu'un qui l'a déjà. Quand va-t-il repartir ? Pour Paris, dans les prochains jours. Merci. Donc en fait, c'est pas une histoire de. The